Bonjour les enfants, je vais vous lire un texte qui s'appelle La promenade. Mardi, je marchais sur la route à la sortie du bourg, à côté d'un torrent. J'aperçus une petite cour en pierre au milieu de laquelle se trouvait une serre. Je m'approchai et derrière les parois en verre, je vis plusieurs roses de toutes les couleurs. Il me sembla alors voir passer un renard, rapide comme un éclair. Je voulus faire le tour pour vérifier, mais une barrière en fer m'en empêcha. Quand je rentrais enfin chez moi, il faisait encore plus froid que quand j'étais partie. J'avais attrapé un rhume et j'avais des frissons dans tout le corps. Alors, ma mère me prépara une tarte. Ce fut une erreur. J'eus la diarrhée et ma mère eut peur, comme toujours, que j'eusse attrapé la mort. Elle laissa son rôti de porc pour me conduire chez le docteur, espérant que les divers remèdes qu'il me donnerait me remettraient rapidement sur pied. Et voilà. Donc, comment on appelle cet animal? C'est un renard. Un renard. Je vais relire plus vite. Mardi, je marchais sur la route à la sortie du bourg. À côté d'un torrent, j'aperçus une petite cour en pierre au milieu de laquelle se trouvait une serre. Je m'approchai et derrière les parois en verre, je vis plusieurs roses de toutes les couleurs. Il me sembla alors voir passer un renard, rapide comme un éclair. Je voulus faire le tour pour vérifier, mais une barrière en fer m'en empêcha. Quand je rentrais enfin chez moi, il faisait encore plus froid que quand j'étais partie. J'avais attrapé un rhume et j'avais des frissons dans tout le corps. Alors, ma mère me prépara une tarte. Ce fut une erreur. J'eus la diarrhée et ma mère eut peur, comme toujours, que j'eusse attrapé la mort. Elle laissa son rôti de porc pour me conduire chez le docteur, espérant que les divers remèdes qu'il me donnerait ne remettraient rapidement sur pied. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce texte? Nous avons plusieurs mots avec
Le son R qui s'écrit avec la lettre R. Par exemple, mardi, marché, route. Oui? Donc, je vous conseille de chercher les mots qui sont difficiles dans votre dictionnaire ou bien sur Internet. Bonne lecture!